Du matin, les schtroumpfs, les haricots sont sur toutes les lèvres. Au début, j'étais méfiant, mais j'avais tort. Et comment, ils sont bons, ces haricots, schtroumpfs, mais bon. Ils ont un goût qui schtroumpf à la bouche. Dès qu'on en a fini, on en a envie d'en re-schtroumpfer. Et on peut en schtroumpfer de l'entrée jusqu'au dessert. Et, schtroumpf cuisinier, tu nous re-schtroumpfs d'haricots ce soir? Eh bien, si vous insistez, j'ai quelques recettes en réserve. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le but, c'était de schtroumpfer des réserves pour l'hiver. Vous inquiétez pas, je peux en re-schtroumpfer dans d'autres parcelles. On n'en manquera pas. Juillet, les haricots secs ne rendent pas gros, sauf quand on en schtroumpfe beaucoup trop. Tu vas les schtroumpfer comment aujourd'hui, schtroumpf cuisinier? Oh, très simplement, à l'étuvée avec quelques épices. C'est quoi l'étuvée? Je trouve qu'il ne schtroumpfe plus beaucoup d'efforts pour ces recettes. En effet, mais c'est quand on schtroumpfe les haricots naturels que leur goût ressort le mieux. Tiens, quand on parle de haricots. Trois bourrades à la fois, tu ne trompes pas les choses à moitié. Eh oui, il y a de la demande. On doit en tromper une aux cuisines, une à la réserve et la troisième au moulin pour tromper de la farine. À propos, ce sera bientôt votre tour de venir m'aider. Oui, tu peux tromper sur nous. Si on tromper un tour dans la forêt. Oh, la forêt, c'est dangereux. Une bête sauvage pourrait nous tromper dessus, ou même Gargamel. C'est vrai, et avec tous ces haricots, on n'a pas besoin de chercher de la nourriture. Aïe, ouïe, je trompe maladroit, ça va? Je trompais des crêpes à la farine de haricots pour mon goûter, mais je ne suis pas très douée pour les retourner. On va les schtroumpfer pour toi. Oui, c'est bon les crêpes de haricots. Mais la schtroumpfette est moins enthousiaste. Ah non, d'un petit schtroumpf! Ah, ça ne peut plus durer, limite son schtroumpfé! Oh? Un problème, schtroumpfette? Tu te souviens de ma petite robe blanche de l'été dernier? Elle m'allait très bien! Ah oui, schtroumpfement bien, ravi! Eh bien, justement, je ne schtroumpfe plus dedans, j'ai failli la déchirer en l'essayant! C'est curieux! Moi aussi, ma culotte, je ne schtroumpfe plus à la taille! C'est à cause de ces haricots! On ne se trompe plus que ça, alors on prend du poids! Ah, vous croyez? Suis-moi, schtroumpf coquet, on va en parler au schtroumpf cuisinier! Schtroumpfette, des menus variés? Enfin, ce n'est pas si simple, schtroumpfette! Les schtroumpfs raffolent tous des haricots! Pour une fois, ils sont contents, je ne vais quand même pas les contrarier! D'ailleurs, c'est extrêmement pratique pour moi. Regardez cela. Là, son précuit est déjà épicé. Je l'échtrouve dans la marmite et hop, l'affaire est trompée. Tandis que nettoyer, éplucher et découper des légumes, oh là là, ça me trompe un temps fou. Mais moi, je ne veux plus tromper d'haricots. S'il le faut, les légumes, je les préparerai moi-même. Des légumes frais? Je n'en ai plus. Le schtroumpf paysan ne me schtroumpfe plus que d'haricots séchés. Oh, mais on va schtroumpfer deux ou trois mots à celui-là. Oui, schtroumpfette. Voyons, schtroumpfette. Comment voulez-vous que je schtroumpfe d'autres légumes? Je suis déjà débordée avec la culture d'haricots. La consommation est énorme. En plus haut, on schtroumpfait une réserve pour tout l'hiver. Je ne veux plus schtroumpfer de haricots avec sec. Ça rend gros, je veux des légumes frais. Crebleu, si vous voulez des légumes, vous pouvez en schtroumpfer vous-même. Oh, bonté divine. Donnez-nous des recettes afin des semences. Bonne chance. Vous verrez, le jardinage, c'est pas facile. Il a raison, schtroumpfette. Moi non plus, j'y connais rien. Eh bien, on apprendra. Prends ça. Je vais dire au grand schtroumpf que nous schtroumpfons notre propre potager. Je suis d'accord avec vous, schtroumpfette. Nous schtroumpfons trop de haricots.
Mais je ne peux quand même pas les interdire. Les ch'tons ne sont pas des bébés. C'est à eux de réagir comme vous. Alors, vous viendrez nous aider et nous ch'tronfer des conseils? C'est-à-dire des expériences à ch'tronfer. En attendant, voici un livre qui vous aidera à ch'tronfer votre jardin. Merci. Bon courage, vous pouvez ch'tronfer sur mon soutien moral. Bon, il nous faut des outils, une pêche, un râteau et une roue. Tiens. Maintenant, allons chercher une pelle parcelle pour y tromper notre potager. Ou on n'emportera pas quelques biscuits à la farine de haricots? Pas question! Faut je tromper où avec tous ces attirails? Nous allons planter des légumes. Des légumes? Quelle idée, on a plein de haricots. Moi, tu as raison. Voilà, c'est un endroit parfait, vous croyez? Il est schtroumpfé ici que l'important c'est de bien travailler la terre après avoir pêché. Mais d'abord, il faut schtroumpfer la couche d'herbe. C'est clair. Tu as la houe? Au travail. Ah! Ils en schtroumpferont une tête quand ils verront notre beau potager. Oui, schtroumpfette. Août, quand je trouve le soleil d'août, l'haricot mauve sont partout. Surtout, ne trompe que ceux qui sont déjà gros. Oui, je trompe paysan. Remuez les pieds, faut qu'ils sèchent tant que le soleil je trompe. Allez, gardez le rythme. C'est je trompe mon vie de travail de bilu. Bon, moi, je vais schtroumpfer ça à la réserve. Alors, schtroumpfette, ça schtroumpfe votre potager? Très bien, j'aurai bientôt plein de courgettes. Vraiment, faut que je schtroumpfe ça de mes propres yeux. Regardez, il y a des fleurs partout. Ouais, mais chaque fleur ne schtroumpfe pas une courgette. Vous voyez? Ici, la tige ne s'épaisse pas. Ça ne schtroumpfera rien. Ici non plus, ici non plus, ici non plus.